Je suis bien scotché du commentaire de la start-up Pumaric. Pumaric est une start-up qui existe légalement depuis juillet 2017. Comment est née Pumaric? Force est de constater que les agriculteurs du monde n'arrivent pas à vivre dignement du fruit de leur travail parce qu'ils ont les problèmes liés à l'écoulement rapide de leur production, parce qu'ils ont les problèmes liés à la pratique, à des méthodes culturelles. D'après une étude faite par le FAO en 2013, les agriculteurs du monde perdent environ 54% de leur production et l'Afrique subsaharienne concentre en majorité le déficit avec 23,8% de sous-alimentés. Face à ces problèmes, il était urgent de mettre en place un système moderne adapté à notre époque ayant pour objectif de booster la production locale, de lutter contre la faim et lutter contre la dégradation de l'environnement. D'où Pumaric. Pumaric est une solution digitale dans cette aux agriculteurs. Concrètement, nous avons développé une plateforme web permettant aux agriculteurs de pouvoir identifier, connaître et maîtriser les maladies qui attaquent leur production. Nous promouvons la technologie du biogaz qui est une opportunité pour les agriculteurs. Nous concevons des digesteurs pareils que nous mettons, n'est-ce pas, à la disposition des agriculteurs, ce qui va leur permettre de produire du gaz et des engrais organiques, ce qui va leur permettre d'avoir une rentabilité agricole et de garantir ainsi la sécurité alimentaire. La solution pour Pumaric marche, car en quelques mois d'essence de garde, nous avons 2200 agriculteurs, nous avons formé 150 agriculteurs sur la technique du biogaz, nous avons recruté près de 73 maladies. Notre prochain challenge, c'est de pouvoir finir notre application mobile, dont le rôle serait d'identifier les plantes à partir du moment prise par un smartphone. Nous avons besoin d'atteindre les grands bassins agricoles du Cameroun pour pouvoir promouvoir cette maladie. Je vous remercie.